qu'on est en pleine prédication, je ne vais pas arrêter la prédication. Je voyais un serpent en toi. Tout à l'heure, j'ai vu le serpent monter à partir de ton ventre jusqu'à ton cou. C'est venu là jusqu'à ton cou et ça voulait te trembler. Et donc, quand j'ai regardé, c'est descendu. J'ai vu quelqu'un juste qui est proche de toi. Donc, l'esprit me disait, c'est ma chose. Et c'est moi qui est en train de tout gâter. On sent les choses bouger en toi. Ça part d'où et où? Lève-toi. Et ça te donne l'esprit de suicide, de te poignarder, de te tuer. Parfois. Et c'est le même esprit qui a donné la sorcellerie aux enfants. D'accord? C'est le même. Ne trouve pas de simples problèmes, d'accord? Il ne faut pas dire, ah, le prophète dit, nanana, puis tu vas devenir. Atia. Parce que papa, il va prendre ça et tu fais pas la peine. Tu es beaucoup nerveux. Beaucoup. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Oui. Puissance de Dieu. Tu vas lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Non. Laisse le bon pain. Tu vas lâcher sa vie. Oui, tu vas lâcher sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas lâcher sa vie. Tu as la sorcellerie? Hein? Lève-toi. Tu as la sorcellerie? Tu as la sorcellerie? Tu as la sorcellerie? Tu veux être délivré de la sorcellerie? Ok, tout de suite, je vais te délivrer. L'esprit a contaminé tout le monde. Tu vas la lâcher. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer au nom de Jésus de Nazareth. Tous les dimanches, ça sera comme ça. Après la prédication, nous allons faire des délivrances, des actions de Dieu. Lâche. Voilà, lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Tu dois la libérer, c'est un an. Non, laissez s'asseoir les enfants. Laissez les enfants s'asseoir. Laissez les enfants. Lâche-la! Go! Tu vas partir maintenant. Au nom de Jésus. Soulevez-la. Enlevez le talon. Pardon, le chant là. Eh bien, mon. Il est le feu divin. Pardon. Ma paix ou c'est bon. Sinon le feu divin, qui veut contester avec. Ça là, je connais le chant. Amen. Vous laissez ça. Tu vas la lâcher. Go! Allez, feu! Libère au nom de Jésus. Non, ce chant là, tu sais, c'est avec la le na 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 ta ta na na ta na na. C'est bon, pas avec ce style de musique. Voilà, il y a la musique, c'est quoi? Na 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 na. Ato lago oya nazayo. Nazayo. Laga oya nazayi. Agiyo ya nazayo. A oya nazayo. Ye oya nazayo.
Zayo. Attends Jésus, Yana Zayo. Ah, Agio, Yana Zayo. Très bien. Merci, Luzo. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Non, laissez-les, parce qu'ils sont, laissez-les, ils sont au rendez-vous de prière. Laissez-les s'asseoir. Asseyez-vous. Amenez-la ici. Amenez-la. On priera pour vous, hein, mais vous êtes. Lâche-la. Tu vas la libérer. Lâche-la. 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 Comment? Allez. Lâche-la. Hey, toi. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Problème. Merci, il a vendu terrain. Merci. Le frère, il souffre.
de l'insuffisance de rénale très aiguë. Et c'est son père, je vois son père qui a vendu ses reins en sorcellerie, n'est-ce pas, pour accéder à un trône mystique. Mais aujourd'hui, Jésus te bénit. Merci Seigneur. Jésus te bénit. Merci Seigneur Jésus. Jésus te bénit. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu as fait à ton père pour que tu puisses t'en, pour que je puisse t'en vouloir comme ça? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis le premier fils, le fils aîné de mon père. À près de 6 ans, mon père et ma mère ont divorcé. Alors, mon père, il a pris ma main, il a mis sur la main de ma mère. Mm-hmm. Il a dit que vous partez. Il a gardé mon petit frère. Mm-hmm. Je suis parti avec ma petite soeur. Mm-hmm. Et depuis, j'ai essayé de revoir mon père à plusieurs reprises et je suis allé chez lui. Donc, ces femmes m'ont mené dans la vie difficile. J'étais là, je croyais qu'il m'aimait et je suis resté avec lui. Et j'ai eu le concours du plus grand lycée du Cameroun, le lycée général Leclerc. Et j'étais promotionnaire avec la fille du président de la République. J'étais avec tous les hommes, tous les fils des grands personnes. On évoluait normalement, juste entre premier après tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que je faisais plaisir à mon père. La puissance de Jésus-Christ se passe, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. Ton nez, comment s'appelle? Saint-Forose. Hein? Saint-Forose. Comment s'appelle? Saint-Forose. Tu as combien d'enfants avec elle? Trois. Ok. Comme ta femme est là, elle est chez je n'ai pas envie de dire. Hein? Hein? Vous pouvez dire? Il y a son ex qui lui crée des problèmes. Elle a envoûté tous ses enfants en sorcellerie. Voilà, c'est cela que les gens du mal. Je te délivre aujourd'hui, je délivre ton âme, je délivre toute ta vie de pouvoir des ténèbres. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande aux puissances des ténèbres de lâcher ta vie, de libérer toute ton âme et ta vie. Comme et l'Esprit de Dieu te libère. Merci, Jésus. Je libère ton mariage. Allez, comment tu la puissance de Dieu. Ça vous va? On est arrivé. Hey, ça va mon grand? Ça va. Ah, tu as fréquenté maintenant ici à Marseille? Ah, c'est super. La puissance, la puissance. Vous libérez son mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez-la! Lâchez-la, allez! Vous libérez son mariage par la puissance. Si vous libérez son mariage maintenant, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez sa vie. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste, Jésus-Christ te libère, Jésus-Christ te libère, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Comment reçoit la main de Dieu sur ta vie, reçoit la puissance de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci, merci pour la grâce, sur sa vie, merci de te manifester dans sa vie, merci de te glorifier, merci, merci d'agir dans nos forces puissantes au nom de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ.
cette présence dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vais revenir sur tout à l'heure l'équipe. Je vais t'asseoir. Je prie que la puissance de Dieu. Vous qui êtes assis là, mettez-vous là. Hein. Revenez. Que tout pouvoir dans votre main soit détruit. Que tout pouvoir dans votre main soit détruit de ta vie. Je proclame la puissance de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Ta grâce sur sa vie. Merci. 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 Dieu sur sa vie. Merci. De tendre ta main. Tu pars. Comme. Maintenant même. Puissant. Au nom de Jésus. Allez. Libère sa vie. Viens. Libère sa vie. Sa vie par la puissance de l'air, je suis puissant de la soleil. Cette vie que vous avez brûlée en soleil, je commande au nom de Jésus que soit une enfant de Dieu. Je te dis maintenant, je pas l'esprit, au nom de Jésus-Christ, que te reprend une vie, que te reprend vie par la puissance de l'air, dans le nom de Jésus. Lâche sa vie. Mets-toi dans le nom de Jésus. Allez. Viens, ça va. Hey. Je sens que ta mère t'a épousé en sorcellerie. Comme hey. Lâche-la. Je brise ce mariage mystique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Tu vas la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? C'est un homme. Hein? Tu vas la libérer? Tu vas la libérer? Non. Si. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas la libérer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gâché? Qu'est-ce que tu as gâché?
Qu'est-ce que tu as gâché? Tout, ça veut dire. Tu as gâché quoi et quoi? 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 Qu'est-ce que tu as gâché? C'est fini. Hein? Tout. Tout, ses finances. Et quoi d'autre? Tu l'as épousé? Son mariage. Son mariage. Tu as gâté combien de mariages comme ça? De relations? Elle a eu combien de relations? Tu as gâté combien? Beaucoup. Tu as gâté combien? Tu as gâché combien? Tout, c'est ça? Tu l'as marié spirituellement? Tu l'as marié spirituellement? Si vous voulez que tu saches, mettez-la derrière. Comme ça, on fait moins de bruit. Aidez-la là-bas pour l'amener. Tu as tout gâché, c'est ça? Son mariage, tu l'as épousé. C'est ça? Tu as tout gâché. C'est ça? Ok. Maintenant, c'est un ordre. Je t'ordonne de libérer sa vie. Tu m'attends? Ouais. Voilà, maintenant va-t'en. Va. Va-t'en. Dans les lieux, ils arrivent. Je t'envoie là-bas de l'autre côté. Pareil! Oh. Doucement. La puissance. Oui, la puissance de Dieu. Non, je ne vais pas la coucher sur son ventre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reviens. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche-la. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je prononce le divorce. C'est fini. Ne touche plus à sa vie. Ne touche plus à sa vie. Touche plus à sa vie. Quitte définitivement sa vie. Le divorce est prononcé à jamais. Deux amis, le Saint-Esprit contrôle sa vie. La puissance de Dieu sera maître à sa vie. Lève-la. Lève-toi. 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 C'est fini, ma fille. Tu es libérée au nom de Jésus. Thank you.
Maman, levez-le. Levez-le sur la chaise. Thank you.
Non, restez là, restez là. Restez encore avec toi la place. Un peu de douleur, ma part. La douleur, c'est à quel niveau maintenant? C'est à 50. Ah non, j'ai dit de 1 jusqu'à 50, si on veut, combien de pourcents? Je me sens 30%. Ah donc, il y a 20%? Oui, oui. Okay. Par rapport à 15 ans. Ok, par rapport à 20, oui. La puissance de Dieu. Et encore, comment tu sens ton ventre? La puissance de Dieu. Go! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te libère maintenant. La puissance du Saint-Esprit libère ton ventre. Go! Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois. Reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Go! Libérez son ventre maintenant même. Par la puissance
qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère maintenant. Sors de son ventre et tu la libères. Tu sors de son ventre et tu la libères maintenant. Par la puissance et dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. 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 Comme allez, reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Maintenant que tu es ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Que tu guéris maintenant. Que tu guéris maintenant. Reçois. Reçois. Je proclame la guérison. Reçois. 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 Sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois. 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 Maintenant même, je te déclare guéri dans le nom de Jésus. Je te déclare libéré par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dieu te libère maintenant. De le mal part. Le démon te lâche. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Ça va très bien? Ça va très bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. De son esprit. De nous remplir de tout discernement. Parce que l'Éternel des amis, tu es celui qui déploie tout. C'est la vie de ses enfants. Nous prions pour être remplis du Saint-Esprit. La gloire de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Que ton esprit soit, Seigneur. Que ton esprit vienne sur Jésus. Recevez la gloire de Dieu, recevez la gloire de Dieu. Venez vers ici.
Tu veux laisser. Hein? Je suis en plein cul, t'entends de prêcher la parole de Dieu. Un serpent sort de toi pour m'attaquer. On va l'aider, hein? Merci, papa. Merci. Mon cœur n'est pas fait pour faire du mal aux hommes. Oui, je sais. Mais je vais la montrer. Je vais lui montrer quelque pardon, chose. Papa. Pardon, comment? C'est pour ça qu'il faut que vous soyez rempli. C'est important que vous soyez rempli. Ça va? Moi, je t'aime bien. Hein? Écoutez. C'est qui en moi, là? C'est pas. C'est l'onction de Dieu. Amen. Ça y est, fini, Nia. Je te fais les deux. Donc, tu te balades avec. Bon, c'est les enfants de la mine, comme j'ai ma fille. Donc, vous baladez les petits balades. Non, pas les petits balades, mais il y a des sorties qu'on fait ensemble. Petit des sorties, manger, McDo. Moi, je l'ai vu la première fois, je savais. Comme j'avais le discernement, j'avais dit à mon ami que je ne voyais pas bien. Tu vas laisser? Elle dit non. Tu ne vas pas laisser. Je vais me manger. Viens. Je vais manger. Voilà, je lève pas à manger. Je vais manger, viens. Vous faites pour les bras. Comme ça se passe bien. Lève-toi. Elle n'a pas me laisser, donc lève-toi. Viens manger. Une bonne sauce. Va à Château Rouge, on va aubergine là-bas. Avec Bombo. Allez, prends croquette. Bon, prends-moi, tu allais me manger. Prends-moi. Va faire ta sauce. Faut me manger. Mais voici. Viens. Voilà. Ce qui est en toi et ce qui est en moi va se mesurer. Hein? Thank you.
On appelle ça confrontation de puissance. Voilà, le voici. Dès qu'a commencé un rêve, elle a paralysé 2 minutes. Non, laissez appeler vos feux là, laissez-moi elle. Vous n'êtes pas dedans. Le combat, c'est elle et moi. Laissez vos feux là, gardez ça pour la maison, d'accord? Mange-moi. Puissant de la sorcellerie, la puissance de Dieu te touche et Jésus-Christ te libère. Hey! Jésus te libère. À partir d'aujourd'hui, je te débarrasse de ce démon. De croiser ses deux pieds. Quand vous voyez quelqu'un en train de dormir, puis ses deux pieds sont croisés, attention, quand il veut faire leur voyage astral, il croise les deux pieds. Ok? Et puis ils font de telle sorte qu'on ne les touche pas. Avant de partir, et vous en vous d'abord. C'est-à-dire, si on la maison, de telle sorte, c'est quand ils sont là-bas, quand vous les touchez, vous insistez qu'ils se réveillent, c'est-à-dire vous essayez, ils peuvent rester, ils peuvent mourir. Donc ça veut dire qu'ils contentent d'avoir la maison avant de faire le voyage astral. C'est pour ça qu'eux, ils sont d'abord le maître des lieux. C'est ça le danger. C'est-à-dire, le sorcier devient le maître des lieux. Tout ça, tant qu'il n'est pas le. Dès que vous avez le Saint-Esprit, quand vous commencez à prier, vous allez voir que quelqu'un va commencer à tousser. Il y a des grands signes. Ils toussent. Ah, Nia, tu fais quoi? Pourquoi je prie? Pourquoi tu tousses? Au moins, je ne priais pas, tu ne touchais pas. Quand j'ai commencé, c'est des grands signes pour dire attention, tu es en train de déranger un esprit de sorcellerie. Le sorcier, il attaque toujours. Ça va? Comme elle aussi, elle a ce problème, un esprit de sorcellerie. Tu veux être délivré? Tu veux être délivré? Non, tu as l'esprit de la sorcellerie. Je suis prophète, capable de t'aider. Tu es d'accord, non? Tu es venu ici pourquoi? Pourquoi? Parce que. Maintenant, moi, je détecte un problème en toi. Sinon, tu ne serais pas ici. D'accord? Tu veux que je t'aide? Ça va? Lève-toi. Tu ressembles à une fille de niveau. Ça va? Comment tu t'appelles? Et je te regarde. Tu me regardes. Nous deux, on voit qui va fuir son camarade. Il dit non, il m'a regardé, mais regarde-le aussi. Je vais vous montrer un peu l'enseignement, l'autorité. Quand vous avez l'autorité en vous, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il établit cette autorité. De telle sorte que le pouvoir négatif, le pouvoir du diable, c'est un pouvoir négatif. Quand il a affaire à vous, il se sent déjà gêné. Il rentre dans une confusion totale. Je te regarde. On va se regarder. Moi, je suis votre tuteur.
Vous mangez les viandes, quand vous tombez sur moi, moi je prie. Ah, tu pleures. Chacun regarde son camarade. Pourquoi tu pleures? Ah, tu cherches la route, le sac. Le pouvoir qui est en toi, je détruis ton pouvoir par la puissance. Je détruis ton pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton règne prend fin aujourd'hui. Ton pouvoir prend fin. Je te chasse de ce corps. Oui, je te chasse de ce corps. Et tu pars. Tu pars de sa vie. Oui, je te chasse. Va-t'en. Quitte-la. Voilà, va-t'en. Quitte sa vie. Voilà, va. Va-t'en. L'esprit en train de partir. Hein? Vous voyez comment l'esprit s'en va? S'en va. Lève-toi, viens. Viens. C'est fini, elle est délivrée. Viens. Gracias.
commande, n'est-ce pas, à la maladie de ta vie maintenant, au nom de Jésus, partie de ton corps. Je guéris maintenant de l'exclusion régale, je guéris de l'hypertension, je guéris le diabète au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle là où tu es, je chasse simplement de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de ta mère. Reçois ton miracle. Viens, Amen. Et sans mettre la main, Jésus.